Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Pokémon HeartGold. Et aujourd'hui, nous continuons notre route en direction de la Ligue Pokémon. Juste avant qu'on se lance, j'ai lu vos commentaires du dernier épisode et vous êtes plusieurs à m'avoir dit de prendre Ho-Oh à la place de Kaninos pour la Ligue. Donc, j'ai récolté mes noix grumes comme à chaque fois, je suis passé au shop et j'ai été au casino pour refaire le plein de jetons parce que j'aimerais bien reprendre la CT Lance-Flamme pour Ho-Oh. J'aimerais bien lui apprendre à la place de Zenith. Alors, j'ai pas encore les 10 000 jetons, je suis à un peu plus de 7 000, ça prend un peu de temps quand même, hein. Mais d'ici la ligue, on aura cette CT sans souci. Et comme vous le voyez à gauche, je ne l'ai pas mis dans l'équipe, tout simplement parce qu'il est niveau 45, et je préfère monter nos autres Pokémon d'abord. Du coup, on est parti, on continue notre route. Et alors, j'ai combattu la dresseuse ici parce que en voulant ramasser le noix grume bleu qui était là, eh bien, elle m'a lancé un combat. Voilà. Elle avait un Pikachu et un Tortank, donc un combat plutôt rapide. Du coup, nord, route victoire, sud, route 27. Eh bien, allons-y, allons vers le nord. Ici, on ne peut pas passer, ok, très bien. Et hop, un dresseur. C'est en participant à des combats difficiles que l'on progresse. Wep, et toi, tu vas me faire progresser. Un combat est lancé par Top Dresser Shun, 3 Pokémon, Ampiflore, niveau 32. Alors, est-ce que Ballon, ça peut faire un peu de dégâts? Et... ok, Midlife, pas mal. Et Toxique d'Ampiflore. Aïe, 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 le poison... 85, ok. Hop, Ballon Brancor. Et normalement, ça doit être bon. Oui, voilà. Et 1309 pour Mentally. Bientôt niveau 35. Le poison, bien sûr. Pyroli. Pyroli, non, on va pas changer. On va garder Mentally et on va le switch. Comme ça, il passera niveau 35. Hop. Et on switch avec Alligator, bien sûr. Jet de sable pour Pyroli. Qui baisse notre précision. Hop, et surf pour nous. Et voilà, c'est KO. Et 678 pour les deux. Et Mentally qui monte au niveau 35. Parfait. Et bientôt niveau 36 pour Alligator. Krabos. Ouais, on change et on envoie Faramp. Niveau 32, ok. Hop, tonnerre pour nous. Et abri de Krabos. Ok, donc l'attaque va échouer. Voilà. Hop, on recommence. Abri qui échoue. Eh ben voilà, tant pis pour toi. Et voilà, c'est KO aussi. Et 1411 pour Faramp. La vie est tellement plus difficile. Et 1920 Poké-Dollar. Est-ce que je le souhaite? T'es fortiche. Oh, hey, faut arrêter avec ce mot. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Je peux avoir ton numéro. J'aimerais encore me battre quand j'aurai fini de soigner mes Pokémon. Allez, oui, oui, oui. Comment te battre? Je ne pense qu'à ça. Du coup, j'étais en train de me dire, est-ce que je soigne Mentally comme ça? Non, vous savez quoi? La dame, elle est juste à côté. On va y retourner vite fait. Voilà, ça évitera de gaspiller des antidotes, des potions, tout ça, tout ça. Hop, on va accélérer parce qu'on connaît. Voilà, ton équipe est en pleine forme. Hop, allez, c'est reparti. Du coup, Mentally est niveau 35, ouais, bah écoutez, on va le laisser devant, voilà, on va le laisser devant, et puis maintenant, eh ben, il va falloir les monter niveau 36, voilà, tout simplement. Allez, c'est reparti. Je me prépare pour la Ligue Pokémon, eh ben, figure-toi que moi aussi. Un combat est lancé par Top Dresser Jack, 3 Pokémon, Parasect.
Niveau 33. Ok. Alors, est-ce que Balombre, ça peut faire un peu de dégâts sur lui? Ok, midlife, pas mal. Vampirisme pour Parasecte. Ah, c'est très efficace, ouais, ouais, ouais. Midlife, ouh, ça fait mal. On va switch, on va pas prendre de risque. Hop, Caninos. Intimidation. Vampirisme de Parasecte. Ok, 87. Hop, lance-flamme pour nous. Et voilà, c'est KO. Et 451 pour les deux. Ah, quoi, quack. Ouais, on switch. On switch, hop, et on envoie Pharamp. Niveau 35. Ok. Hop, tonnerre. Et grincement pour Aquaquack. Qui baisse notre défense. Yep. Et hop là. Voilà, c'est KO. Je me disais, c'est un peu lent. Mais non, non, c'est bon, ça passe. Et 1305 pour Pharamp qui monte au niveau 37. Cool. Aquali. Ah, ça aurait été bien de changer, là, parce que Pharamp, il a déjà deux niveaux de plus que certains. Ah, j'ai envie de tenter avec nos Stanfer. Allez, je tente. Niveau 33. Ok. Eh ben, on va faire vol. Surf qui échoue, yes. Allez, vas-y, nos Stanfer. Et bim, c'est KO en one shot. Bon, en coup critique, mais one shot quand même. Incroyable. Alors là, j'aurais pas cru. Hein. Et 1386 points, non. Et 1980 poké dollars. Merci beaucoup, monsieur. Incroyable, vraiment incroyable nos Stanfer. Allez, on continue. Et hop, nouvelle dresseuse. J'ai perdu contre un dresseur aux cheveux rouges. Ok, donc on a Silverke dans le coin. Il était très fort, mais il en demandait trop à ses Pokémon. D'accord, donc ça veut dire que bientôt combat contre Silver. Un combat est lancé par top dresseur Karina de Pokémon, Galoppa, niveau 36. J'adore Galoppa, je le trouve trop classe. Là, ce qui aurait été bien, ça serait de switch. J'aurais dû changer Mentally, en fait. Oh, vous savez quoi, on va envoyer Alligator. On va y aller au plus efficace, on va pas s'embêter. Hein. Et en plus, Alligator, il passera niveau 36. Alors, hâte pour Galoppa. Qui manque beaucoup sa vitesse, yes. Et surf pour nous. Et feu follet, Galoppa. Ok, on est brûlé. Voilà. Et voilà, c'est un one shot. 739 pour les deux. Et Alligator passe au niveau 36. La petite brûlure, ouais, ouais, ouais. L'énergie. Ouais, on change. On change et on va envoyer Caninos. Ah, bah non, bah ça sera Cisaiox. Bah voilà, bah j'ai mal cliqué. Niveau 31. Allez hop, on va faire cruel. Ok, presque un midlife, c'est pas trop mal. Cage éclair pour l'énergie. Ok, donc ça part sur une paralysie pour nous. Hop, on recommence cruel. Et chargeur pour l'énergie. Se met à charger son énergie. Ouais, ouais, ouais. Sa défense spéciale qui augmente. Le cruel qui passe. Ok, un petit coup et ça sera bon encore. Hop.
Chargeur à nouveau. Et voilà. Et c'est... Oh, et jackpot pour Cisaiox. Les Pokémon ne sont pas nos esclaves. Et 3720 Poké-Dollars. Très bien. Ta force est bien réelle. Je voudrais te rencontrer à nouveau. C'est en combattant encore et encore des dresseurs de ton calibre que je pourrais m'endurcir moi aussi. Si tu veux bien, je pourrais avoir ton numéro. Oui, 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 y a pas de souci. À très vite pour un combat, j'espère. Ok, ah, et on a un coup de fil de maman, donc ça voudra dire qu'il faut aller au shop. Route 26, port d'accès à la Ligue Pokémon. On va d'abord retourner soigner... Hop, vous savez quoi? On va y aller en vitesse accélérée. On va retourner soigner nos Pokémon. Hop. Rebonjour, madame. Blablabla, bla, bla. On soigne les Pokémon. Voilà, l'équipe est en pleine forme, impeccable. Allez, et on avance. On retourne à l'entrée. Voilà. Hop. Et c'est parti. Et bonjour. Seuls les dresseurs confirmés peuvent passer. Oh, les 8 badges de Johto. Je vous en prie, passez. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cette route mène au Mont Argenté. Des Pokémon terrifiants y vivent. Tu n'as pas encore la force pour ça. Ok, très bien. Hein? Par là, c'est Kanto. La route est bloquée et mes consignes sont claires. Personne ne doit passer. La consigne, c'est la consigne. Ok, très bien. Eh ben allez, on avance. Et nous arrivons à la route Victoire. Oh, il va falloir force. Ah, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, et puis là ça m'embête de retourner chercher Sabelette. Est-ce que on n'aurait pas moyen d'apprendre force à quelqu'un? Ça serait mieux, hein, je pense. Hop, force est ici. À qui on pourrait l'apprendre? À qui on pourrait l'apprendre? Alligator, j'ai pas envie, il a déjà cascade et surf. Caninos, j'ai pas envie non plus. Non, vous savez quoi? On va l'apprendre à Faramp. On va l'apprendre à Faramp. Et on va enlever... Point éclair, voilà, c'est ça. Parce que point éclair, au final, on s'en sert pas des masses. Et 75, précision 100. Ouais, et en plus, c'est une attaque physique. Et Faramp est pas très bon en physique, en attaque physique. Allez, on dégage point éclair. Ça sera très bien. Et Faramp apprend force. Ok. Alors, pour repousser ça, il faut le pousser par en haut. Voilà, comme ça. Parce que si on le pousse vers la gauche, on va être bloqué. Hop, voilà, nickel. Ensuite, Pokémon sauvage. Onyx, niveau 34. Ah, pas mal. Pas mal. Il y a peut-être moyen qu'on les fasse quand même, les Pokémon sauvages, s'ils sont tous à ce niveau-là. Hein. Ça fera de l'XP, hein. Et pas mal, la balle ombre. Et Dracosouffle pour Onyx. Ok, ça va, ça fait rien. On recommence la balle ombre. Voilà, c'est KO. Et 524, ouais, ok, ça va, ça va. Il y a mieux, mais il y a pire. Et nouveau Pokémon. Gravalanche, oh non, là par contre je passe. Là je passe, parce que à tous les coups il va faire destruction ou explosion, et non, je veux éviter ça. Et encore un Pokémon, eh ben... Nosferalto, niveau 32, ok. Hop, balle ombre. En coup critique, pas mal. Onde folie de Nosferalto. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
Allez, Mentali, c'est rien, c'est rien. Ah, dommage, dommage. Cruel de Nosferalto. Ok, midlife, c'est ce que je pensais. Allez, Mentali, faut attaquer. Voilà, très bien. Oh, le 1 PV. Oh, j'étais sûr que ça suffirait. Bon, eh ben tant pis, on n'a plus qu'à recommencer. Allez, Mentali. Oh non, allez, Mentali, oh là là. Et Cruel de Nosferalto qui va nous mettre KO. Eh ouais, voilà, aïe, 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 non. Oh, Mentali, t'abuses. Qui on pourrait envoyer? Cizayox? Allez, va pour Cizayox. Ah, oh, je suis dégoûté, là, je suis dégoûté. Hop, Cruel. Et morsure de Nosferalto. Oh, et on a la trouille, non, vraiment. Morsure encore. Ok. Et voilà, c'est KO. Et 780 pour Cizayox. Allez, on va utiliser un rappel sur Mentali. Hop. Voilà. Hop, la super potion, elle est là. Et voilà. Allez, on continue. Continue. Non, il n'y a rien ici. Petite Pokéball, petite Pokéball et Pokémon sauvage encore. Gravalanche. Ok, on passe. Hop là. Et on trouve une potion. Non, c'est sérieux? Trouver une potion ici? Ah non, c'est vraiment nul. Hein. Et on a une Pokéball en bas. Il n'y a rien. Et encore un Pokémon sauvage. Nosferalto, niveau 32. Ok. Allez hop, Balombre. Ok, moins de dégâts que tout à l'heure. Et on folie encore. Oh là là, c'est chiant ça. Allez, Mentali, on réessaye. Ok, c'est bon. Ok, pas mal. Trancheur de Nosferalto. 78. On va faire Météore. On va faire Météore. Ouais, c'est bon, ça passe. Et voilà, c'est KO. Et 780 pour Mentali, très bien. Alors, Pokéball en bas, et si je passe à droite, eh ben on ne peut pas passer. Je voudrais aller voir quand même dans le fond s'il y a quelque chose. Mais l'escalier là sur la droite, je vois pas à quoi il sert en fait. Alors, Donphan, niveau 33, ok, c'est cool de voir un Donphan. Encore un nouveau Pokémon. Et ouais, on avait croisé des Fampi il y a pas longtemps, et bien là, on a l'évolution. Alors, ok, pas ouf, pas ouf, pas ouf, je m'attendais un petit peu plus. Et Fury qui rate, très bien, hop, Balombre encore. Un petit coup critique. Oh, pas mal, franchement avec le coup critique ça aurait été bon. Hein. Et Ampleur 10, aïe 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 aïe, c'est KO, eh oui, c'est KO. Oh là là, l'Ampleur 10 qui fait très très mal, hein. Allez, on envoie nos Stanfer. Hop, Tranchère. Et voilà. Et 891, pas mal, pas mal. Allez, on re-soigne Mentali encore une fois. Hop. Ah, dis donc, Mentali, il prend cher aujourd'hui. Hein. Il prend très très cher. Hop, la super potion. Et là, on n'a rien. Ok. Eh ben, allez. Et encore un Pokémon.
Nosferalto au niveau 32, encore et toujours. Hop, Balombre. Ah, c'est un peu long avec les Pokémon sauvages, on a l'impression de pas beaucoup avancer, mais ça fait de l'XP, hein. Vraiment, il faut les faire. Autant en profiter en plus, parce que des Pokémon sauvages de ce niveau-là, on n'en a pas rencontré encore. Et c'est quand même mieux d'avoir autant d'XP à chaque fois. Alors, ok, c'est pas mal. La morsure de Nosferalto, 25, ok. Hop, on recommence la Balombre. Et voilà. Et 781. Oh, même pas le niveau 36. Abusé. Vous savez quoi, je vais pas le soigner. On va le switch après au prochain Pokémon. Et on trouve un total soin. Très bien, très bien, très bien. Là, qu'est-ce qu'on a? Rien. Là, il n'y a rien ici. Et encore un Pokémon. Gravalanche, niveau 32, on passe. Je ne prends pas de risque avec eux. Allez. Et là, nous avons encore deux rochers. Haut ou bas? Allez, bas. Ouais. Ah si, c'est bon. Ah bah voilà, bah, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Un rappel max. Oh, oh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est très très bien. Ça c'est un grand oui. Et du coup, en haut, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Il y a peut-être un objet caché. On va regarder. Alors, Onyx, niveau 36. Hop, on switch. On envoie Alligator. Et comme ça, Mentally passera niveau 36. Dracosouf pour Onyx. Ok, 110. Surf pour nous. Et voilà. 277 pour les deux. Et Mentally monte au niveau 36. Très bien. Oh, Rafale Psy. Oh, trop bien. Enfin, une attaque Psy pour Mentally. Alors, quelle attaque on lui fait oublier? Oh, bah, charge. Allez, charge. Voilà. C'est quand même pas ouf, charge. Et je préfère garder Vive Attaque. Vive Attaque, ça permet d'attaquer en premier, donc je préfère garder celle-ci. Et 277 pour Alligator. Très bien. Ah, et on a un appel de maman. Ouais, bah plus tard, maman. Hein. Plus tard. Alors, je check partout, on sait jamais. Et Pokémon. Nosferalto encore et toujours. Nosferalto niveau 32. Hop, on switch et on envoie Caninos cette fois-ci. Intimidation. Cruel pour Nosferalto. Ok, 67. Lance-flamme pour nous. Et morsure pour Nosferalto. 51. Ah, dommage, je pensais que ça l'aurait mis KO. Cruel encore pour Nosferalto. 26. Et le lance-flamme qui le termine. Très bien. Voilà. En coup critique en plus. Et 390 pour les deux. Cool. Hop, je vais switch parce que Mentally est niveau 36, donc on va mettre les autres d'abord. Voilà. Il leur faut aussi de l'XP. Et là, il n'y a rien. Ben non, il n'y a rien du tout. Bon, ben écoutez, je sais pas à quoi ça servait ce passage. Domphan, niveau 33. Ok. Allez hop, cruel. Ok, pas trop de dégâts. En même temps, il est assez résistant, hein, Domphan. Ampleur 8. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Je vais tenter poursuite pour voir si ça ferait pas un petit peu plus. Ah non. Non, non, pas du tout. Ampleur 5. Ah, ça pique, ça. Hein. Ouais, ça va. Ça va. 5, ça va.
Ok, une dernière et ça sera bon. Ampleur 6. 26, oh là là. Ça fait mal hein, quand même. Hein. Et c'est KO. Et 891 pour Cisaiox. Hop, on va soigner Cisaiox, bien sûr. Et on va réutiliser des super potions sur Mentally et Caninos. Histoire que tout le monde soit un peu mieux. Hop, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire à quel moment on croise Silver. Je ne sais plus. Donc, il va falloir que je fasse attention aussi. Alors là, bah là, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer de ce côté. Là, on n'a rien. Et Pokémon. Pokémon à nouveau. Et Gravalanche, niveau 32, toujours. Hop, on fuit. Là, il n'y a rien. Là, il y a un petit passage sur la gauche, on va aller voir. Gravalanche encore. Ok. Hop, la fuite. Alors, par ici, il y a un rocher, là. Un rappel max, ben voilà, toujours regarder sur les rochers qui sont tout seuls, toujours. Ensuite, Pokémon. Donphant, niveau 33. Allez hop, cruel. Ok, comme tout à l'heure, assurance pour Donphant. 69, c'est pas très efficace. J'ai envie de tenter tranche, peut-être un coup critique. Et ben non, toujours pas. Et furie pour Donphant. 3. 3 fois, ok. Allez, cruel. Ok, une dernière. Il rate son attaque, super. Et voilà. Et 891 pour Cisaiox qui monte au niveau 36. Parfait, parfait, parfait. Hop, on switch et on va mettre Nostanfer. Hop là, voilà. Allez, on continue. Il n'y a pas de dresseur ici, c'est un peu dommage par contre. J'aurais bien aimé un peu de dresseur. Nosferatu, niveau 32, ok. Hop, on va faire vol. Ça permettra d'esquiver une attaque. Voilà, tranchère, très bien. Oh, et on rate vol. Oh, c'est nul. Allez, on recommence. Cruel qui rate. Et vol qui passe. Ah, quand même. Midlife, ok. Et on folie. Aïe, aïe, aïe. Allez, nous cet enfer, c'est rien. Hop, tranchère. Allez, nous cet enfer. Ouais, parfait. Ok. Et tranchère pour lui aussi. 74, on va faire morsure, on n'est plus confus, nickel. Et voilà. Et 780 pour Nostanfer qui monte au niveau 36. Et bah parfait tout ça, très très bien. Allez hop, on met Caninos, le dernier niveau 35. Et on est parti. Comment on récupère cette Pokéball du coup? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Peut-être un peu plus tard. Nosferalto, niveau 32. Ok. Intimidation.
Hop, lance-flamme. Et tranchère pour nos Sferalto. 51, d'accord. Et... ok, pas mal. On recommence. Cruel. 24, ok, attention. Et c'est KO. Et 781 pour Caninos. Hop, on va soigner Caninos. Voilà, 74, c'est très bien. Et allez. Alors ici... est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien du tout. Bon. Eh ben allez, l'échelle. Alors, ici... non, il n'y a rien. Bah, il faut sauter. Bon, bah allez, hein, on saute. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? Ah, je vois un rocher en haut. Et Donphan, niveau 33. Ok. Là, il faut qu'on switch parce que sinon, Caninos, il va morfler. Hop, alligator. Ampleur 5. Ok. Et surf pour nous. Voilà. Et 445 pour les deux. Très bien. Alors, on a dit un petit rocher ici. Il y a une Pokéball là-bas. Si je pousse comme ça, hop, hop, ok, c'est bon. Voilà, on va chercher la Pokéball et Pokémon sauvage encore. Donphan encore. Ok, et bon, on va refaire comme avant, on va renvoyer Alligator. Hop. Souplesse pour Donphan. 88. Et surf pour nous. Et c'est ciao. Et 445 pour les deux. Très bien. Alors ici, une guérison pas mal. Pas mal du tout. Alors, hop. Et Pokémon, allez, let's go! Nosferalto. Hop, lance-flamme. Et tranchère pour Nosferalto. 53. Allez, Caninos, crame-le! Ok, pas mal. On va le terminer avec Crofeu. Morsure. 32. Ah, on a la trouille. Ah non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Et tranchère. Aïe, aïe, aïe. Oh, 8 PV. Ça va. Oh, j'ai cru que c'était le chaos, là. Allez, c'est bon pour lui. Et 781. Alors, là, on va mettre une hyper potion sur Caninos. Hop. Voilà. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Allez, on continue. Et Pokémon encore. Donphan, encore une fois. Eh ben, on va refaire la même, hein. On va renvoyer Alligator. Là, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence, hein. Allez hop! Souplesse! 75 et surf!
Et voilà, c'est KO pour lui. Mais ouais, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de dresseur. Ça aurait évité de faire tous les Pokémon sauvages comme ça à chaque fois. Mais bon, voilà, on prend l'XP. Là où il y en a encore, mais c'est pas possible, mais elle va dépenser toute notre thune là. Il n'y a rien sur le rocher, donc on va prendre l'échelle. Encore un Gravalanche. Ouais, bon, allez, on fuit, hein. Hop. Allez, let's go. Alors, ici. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a une Pokéball là-bas. Et je vois aussi qu'il aurait fallu Éclatroc. Comment on fait, là? Il faut tomber encore? Là, il n'y a rien. Et Pokémon, ok. Alors là, je sais pas. Est-ce qu'il faut se laisser tomber ou pas? Je ne sais pas. Donphan encore, ok. Et eh ben on va refaire comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va renvoyer Alligator. Bientôt niveau 36, Caninos, n'empêche. Hein. Ampleur 4. Ok, ça va. En plus, en coup critique. Hein. Voilà. Et 445 pour les deux. Très bien. Ah non, on peut passer. D'accord. Ah, je pensais qu'il fallait tomber. Mais non. Et Pokémon. Gravalanche, niveau 32. Ah, je serais bien tenté de le faire là. Canino, c'est bientôt 36. Allez, vous savez quoi, on va appeler Alligator, on prend le risque pour une fois. On prend le risque. Et voilà, destruction. C'était sûr. Je sais même pas pourquoi je prends le risque de toute façon. C'est du gâchis d'hyper potion là. C'est n'importe quoi. Et 306, en plus c'est pas ouf. Franchement, ça m'apprendra. Hein. Allez hop, l'hyper potion sur Alligator. Hop. Oh, je suis dégoûté là, vraiment. Hein. J'ai voulu le tenter. Ça m'apprendra, c'est tout. Voilà. J'aurais dû m'en tenir à ce que j'avais dit au départ. On ne fait pas les Gravalanches. Alors, nouveau Pokémon. Gravalanche. Non. C'est non. Allez, l'intimidation. Hop, et la fuite. Alors ici, nous avons une Hyper Ball. Ok. Et on voit la sortie sur la gauche. Alors, encore un Pokémon. Onyx. Ok, celui-là, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Ouais, et là, Canino s'y passera niveau 36 après ça. Hop, on switch. On envoie Alligator. Souplesse, Kirat, très bien. Surf pour nous. Et voilà. 262 et Caninos monte au niveau 36. Très bien, voilà, nickel. Allez hop, je vais mettre un repousse maintenant que tout le monde est niveau 36. Voilà, c'est là. Ça va être un peu plus appréciable d'avancer. Alors, on a une Pokéball ici, mais on n'a pas Éclatroc, donc je ne peux pas aller la chercher. Là, on n'a rien. Et là, il faut choisir. Haut ou bas? Ah, vous savez quoi? Tout à l'heure, on a poussé le rocher du bas, ça nous a porté chance. On va passer par en bas aussi. Et on a l'échelle. Eh bien écoutez, je crois que c'est bon. Hein. Je crois que c'est bon. Petit rocher, là il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah ben c'est la sortie. Alors attendez. Ici, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a un trou, mais... Ah, il y a une Pokéball derrière.
On peut faire le tour là. Oui, on peut faire le tour. Ok. Alors là, il n'y a rien. Et la Pokéball, un super bonbon. Nickel. Et du coup, hop. Et la sortie. Ah, le voilà. Et j'ai pas soigné les Pokémon. Aïe, aïe, aïe. Minute. Tu vas relever le défi de la Ligue Pokémon. J'imagine que nous sommes juste devant la sortie de la route victoire. Mais tu as vu, il n'y avait pas un seul dresseur jusque-là. Pfff, tous des minables les uns comme les autres. Bah, si toi tu as pu arriver jusque-là, alors tu es peut-être moins ridicule qu'eux. Mais tu n'iras pas plus loin. Parce que je vais t'écraser maintenant. Ouais, alors ça je demande à voir. Allez, c'est parti, combat contre le rival. 6 Pokémon pour lui. Farfuret. Oh, ben on a Kaninos devant, donc déjà c'est pas mal. L'intimidation, yes. Hop, lance-flamme. Et feinte de Farfuret. Ok, ça va. Je pensais plus de dégâts, mais ça va. Et... allez, 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 allez. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et 1017 pour Kaninos. Nosferalto. Ouais, on change. On va envoyer Faramp. Niveau 38. Ok, ça va. Franchement, on est dans les mêmes niveaux. Hein. Donc, on n'est pas trop en retard. On n'est pas trop en avance. On est bien comme il faut, je trouve. Ça change des fois précédentes où on avait quelques levels de retard par rapport à lui. Donc, c'est plutôt cool. Alors, l'onde folie sur Faramp qui se blesse. Aïe, 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 aïe. Allez, Faramp. Et morsure de Nosferalto. 87, ok. Et le statique, bien fait. Bien fait pour toi. Allez, Faramp. Allez, allez. Le tonnerre qui passe. Bien. Et de deux. 1392 pour Faramp. Méganium. Ouais, on switch. On va envoyer... on va tenter Cisaiox. Ouais, ouais, ouais. On va tenter avec Cisaiox. Niveau 40. Ah ouais, quand même. Allez hop, cruel. Et protection de Méganium. Ok, ok, ok. Ah, c'est pas ouf. Ah, je pensais que ça aurait fait plus de dégâts quand même. Danse-fleur de Méganium. Ok, 53, ça va. Allez, un petit coup critique, là. Ah non. Non, 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 pas de coup critique. Allez, on recommence. Danse-fleur pour Méganium. Il va finir par être confus. 40, ok. Allez, un dernier coup et ça sera bon. Et il est confus, voilà, très bien. Allez, il n'y a plus qu'à ce qu'il se tape dessus. Allez, vas-y, vas-y, tape-toi. Voilà, impeccable. Et nous, on le termine. Et boum! 1782 pour Cisaiox. Magneton. Ouais, on switch. Et on renvoie Kaninos. Niveau 37. Hop, lance-flamme. Et on est plus rapide. Cool! Allez, 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 allez. Et voilà. Eh bien, écoutez, plutôt facile, là. Hein. 1276 pour Kaninos. Protection ne fonctionne plus. Très bien. Spectrum. Ouais, on change. Et on va envoyer Alligator. Et on va y aller à coup de mâchouille. Niveau 37. Hop, mâchouille. Et regard noir de Spectrum. Ok, on ne peut plus échanger. Allez, Alligator, défonce-le. Voilà, très bien. Et 999 pour Alligator.
qui monte au niveau 37. Cool. Étrange pour Alligator. Ah, oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a d'autre? Surf, Machouille, Crogive. Non, 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 non. Non, non, non. On dégage tranche. Je ne veux pas tranche. Oui, on arrête. Kadabra. Eh ben, on garde. Et on va le terminer avec Machouille, lui aussi. Niveau 37. Je vois, il t'a fallu plus que de la chance pour arriver jusque-là. Ah non, non, mais c'est pas de la chance, hein. Non, non, pas du tout, hein. Je me débrouille juste mieux que toi, mec. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est KO pour le Kadabra. 1149 pour Alligator. Je n'ai pas pu te vaincre. J'ai donné tout ce que j'avais. Cette chose que tu aurais et qu'il me manque. Je commence à comprendre ce que ce dracologue m'a dit. Et 5120 Poké-Dollars. Et ben voilà, ça c'est fait. Je n'ai pas abandonné mon rêve de devenir le plus grand des dresseurs. Je comprendrai pourquoi j'ai perdu aujourd'hui. Je comblerai cette lacune et je te défierai à nouveau. Je mettrai toutes mes forces dans le combat et tu perdras. Fin, accroche-toi minable. Accroche-toi, accroche-toi, c'est plutôt à toi de t'accrocher, hein. C'est quand même toi qui as perdu. Hein. Allez, c'est parti. Et on a un coup de fil encore de maman. Eh ben dis donc, on va en avoir des objets à récupérer. Hein. Et nous arrivons à la Ligue Pokémon. Ça y est, nous y voilà. Allez, on va aller soigner tout le monde, comme à chaque fois, quand on arrive dans un endroit. Et comme ça, ça permettra de revenir avec vol. Ah, ça fait trop plaisir d'être arrivé. Vraiment, ça fait trop, trop plaisir. Merci beaucoup, infirmière Joël. Merci à vous. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pour la prochaine fois, j'irai finir les jetons au casino et je prendrai la CT Lance-Flamme pour Ho-Oh. Et je vais essayer aussi de monter nos Pokémon niveau 40, tout comme le Meganium de Silver. S'il a un Pokémon niveau 40... Je pense clairement que dans la ligue, il va y avoir des niveaux bien supérieurs. Et en plus, si j'en crois vos commentaires, c'est bien ce qui va se passer. Mais je me dis que niveau 40, ça sera pas trop mal. Puis bon, après, il faut quand même les monter hein, derrière les Pokémon. Hein. J'ai pas non plus, j'ai pas non plus une semaine pour le faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Moi, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien, c'était Nairod. Ciao, ciao !